Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse des héros du futur. J'ai eu plusieurs demandes sur Line, hein, parce qu'il y a certains héros, des récits inédits qui ont circulé sur pas mal de groupes, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur Line. Donc on va analyser plusieurs héros. Il y aura Persa notamment qui devra arriver dans les prochains mois. On a Gestalt aussi. Nous avons un autre rouge, Domi Ventus, ça en fait pas mal, hein. Puis Aqualit. Et on terminera par Atlantega. Voilà, donc ça fait 5 héros d'analyse, 5 héros à analyser. Je ferai l'analyse des héros construction sur une autre vidéo. J'ai pas envie de faire un format trop long. En tout cas, ça ferait très très long si je faisais tous les héros qui ont été en bêta. Donc là, j'ai scindé en deux, donc on va se focaliser sur cette première partie de héros des récits inédits. Donc les passifs, il n'y en a pas 10 000, hein, c'est soit famille des cauchemars de l'Atlantide, donc pour rappel, si vous regardez Ultrox qui a la une actuellement, voilà, donc c'est un passif qui permet de baisser la génération de mana des ennemis, et il y a un bout de buff de défense, et le passif étoile, c'est des dégâts en plus à hauteur de 80%, et le lanceur gagne 19% de génération de mana. Si on regarde les autres passifs, c'est aussi des dégâts, 80%, mais ça sera 21% de coût critique à la place de la génération de mana, et on aura un pourcentage de chance de donner 36% d'attaque pour 3 tours aux alliés. Donc ça, à tous les alliés, donc ça, c'est, je trouve que ce passif-là est meilleur, en tout cas. Donc revenons à ces nouveaux héros. Les designs sont assez soignés. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. Elle est magicienne. Bah, j'aime bien le design. Hein. Ça fait, voilà, on est toujours dans ce thème des thèmes aquatiques, hein, de toute façon. Les statistiques sont assez énormes sur ce qui est attaque et défense de base, mais au détriment des points de vie. La concernant, parce qu'elle a plus de 1000 de points de vie, donc ça c'est énorme, et 943 d'attaque. Par contre, les points de vie sont en dessous de la moyenne actuelle, qui est plutôt autour des 1600 points. Donc là, on est à 1500, 945 de puissance, bien sûr. Là, les héros qui sortent les plus récents sont dans les 945 de puissance, enfin entre 940 et 945, on va dire. Donc pour rappel, hein, la vitesse Changing Tide, ça va être d'abord un déclenchement en vitesse rapide et ensuite en moyen. Ruine des océans, qu'est-ce qu'elle va faire sur sa première compétence? Elle va voler tous les bonus dissipables de la cible et va les distribuer aléatoirement aux alliés. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose par hasard? C'est exactement ce que fait le héros du mois actuel, hein. Sauf que elle, en fait, c'est pour ça que quand je l'ai vu, elle, je me suis dit, en fait, il n'y a peut-être pas d'intérêt à monter le héros du mois actuel finalement si on arrive à avoir Persa. Après, je ne sais pas quand elle sortira exactement, mais elle fait beaucoup mieux parce qu'elle va faire des dommages. Hein. Elle va non seulement donc voler les bonus, elle le fait d'abord. Ensuite, elle va faire 455% de dommages à la cible. Donc ça, c'est pas mal, hein, en vitesse rapide, surtout que c'est pas tout ce qu'elle fait. Et face à tous les Ludwig et les Porcis qui traînent, ça sera un excellent compte. Elle va aussi appliquer un poison corrosif qui va se diffuser sur 4 tours. Le poison corrosif fait 188 points de poison et baisse le mana... Et met le mana de la cible de 10% chaque tour, enfin la génération de mana. Donc ça, c'est un effet que fait Chevalier Noir notamment, Dark Lord. Et c'est un effet que fait, il me semble, le Vert des Covenants, là, Ferus. C'est un effet assez puissant, hein. Notamment en ruée, parce que du coup, vous pouvez plus déclencher en situile. Et cet effet se diffuse à tous les ennemis. Donc là, elle est vraiment excellente de ce que je vois déjà sur la première cesse. La deuxième cesse, ça revient au même, sauf qu'elle fait plus de dégâts. Ça monte à 490%.
Et le poison est le même aussi. Donc, elle fait juste plus de dégâts, quoi. Mais là, Persa, excellent héros, surtout qu'on est toujours hein, sur une méta violette. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais à mon goût, c'est un peu trop long. Ce serait bien d'avoir plus de variété. Même s'il y a quelques GDA où il y a des tanks qui peuvent être jaunes, et à certains top niveaux, ils ont mis la ninja verte, on est quand même, je dirais, à 80% de GDA où le tank est violet, quoi. Donc là, Persa, c'est un excellent contre. C'est un anti-Ludwig et un anti-Forcis en tank pour moi, sans hésiter. Hein. Ensuite, nous avons Gelstalt qui est ecclésiastique. Je vais pas revenir sur les bonus, hein, ce sont les mêmes, on l'a vu au départ. Lui, il a des statistiques clairement beaucoup plus offensives que la précédente. 964 d'attaque, ce qui est très bien. Même si on a des hauts qui montent maintenant dans les 990, c'est quand même très bon. 920 de défense, c'est très bien. Et 1610 de points de vie. Il est plus équilibré que Persa. Niveau stats, je préfère sa répartition à lui. Cube magma sous l'eau, enfin, en traduction un peu comme ça. Donc sur sa première compétence, qu'est-ce qu'il fait? 200% de dommages à trois ennemis aléatoires. C'est pas mal. C'est vrai que quand on voit Berkeley, lui, là, en moyen, il fait 300%, là, le chien des animaux puissants. Enfin, le chien. Oui, c'est un chien. Et là, vu qu'il est rapide, c'est justifié que ça soit que 200%. Le problème avec ça, c'est que on choisit pas quels sont les ennemis qui vont être touchés par les cubes. Hein. Mais ça ressemble un peu à Alfric, c'est le même principe. Il va lancer trois cubes. Et ces cubes vont avoir des effets surpuissants. Donc, Gelstat, ça a l'air très très fort. Enfin, j'avais regardé avant. Les ennemis sont affectés avec l'effet Underwater Magma Cube qui va faire les choses suivantes. Tant qu'ils ont le cube magma, le propriétaire, enfin, celui qui est affecté va avoir moins 30% de défense. Donc, il est capable de mettre potentiellement moins 30% de défense en rapide sur 3 héros, c'est assez fort. Et ensuite, ces cubes magma vont exploser dans 3 tours et ils vont faire 300 points de dommages à leur propriétaire. C'est assez fort. Il faudra se méfier de ne pas oublier que les cubes vont exploser. Et en plus, si on a envie d'enlever ces cubes magma, ben, on se prend un effet négatif. On a moins 34% de génération de mana pour 3 tours. Donc c'est quand même assez gênant. Je pense que lui en défense, il va être très prise de tête. Il est utile en attaque aussi. Enfin, c'est vraiment un héros polyvalent. Et en titan aussi, en fait, hein, vu qu'il met une baisse de défense. Et sur la deuxième compétence, là, c'est complètement fou, hein, parce que ça va être 250% sur 5 cibles. Il y a toujours l'effet magma. Et là, ça passe à moins 40% de défense. Et les cubes magma vont faire 450 dommages. Et si vous dispellez ça, parce que, admettons que vous êtes en train de mourir si vous prenez les dégâts, vous prendrez moins 54% de génération de mana. Il est très très fort. Hein. Je pense qu'en tank, ça serait un héros. Ce type de héros serait capable de changer la méta, je pense. Il peut faire l'affaire en tank, il peut faire l'affaire en flanc, il peut faire l'affaire en un peu moins sur les ailes parce que on a envie que ses cubes explosent. Donc s'il est sur les ailes, il déclenchera peut-être trop tard dans le raid en défense. Mais en tank ou en flanc, Gestalt, excellent héros encore. Là, ils sortent du lourd hein, pour ces héros récits inédits. Clairement, j'ai l'impression qu'ils ont commencé timidement. Mais ils vont sortir du lourd au fur et à mesure qu'on avance dans la saison. Il était de quelle classe, lui? Ecclésiastique. Pas la meilleure, mais pas la pire. Ensuite, on a Domiventus, lui qui est combattant. Et là, on a beaucoup de héros qui sont de la famille du cauchemar, j'ai l'impression. Alors qu'ils ont commencé avec les héros de l'autre famille. Lui, il a des stats qui ne peuvent difficilement être plus équilibrées. Hein. 933 d'attaque, 39, 939 de défense, 1652 de points de vie.
Je pense qu'on doit être sur les statistiques moyennes des héros qui sortent maintenant avec 945 de puissance. C'est un équilibre parfait, quoi. Compétence spéciale Supernova, il va faire 370% de dommages à la cible et aux ennemis à proximité. En rapide, c'est excellent. Hein. En rouge, bon, on n'a pas mieux. Hein. Parce qu'on a Marjana costume C2 qui fait 300% sur 3. On a, c'est vrai, Marjana costume C1, elle a fait du 400 et quelques, mais mineur sur les héros à proximité. Cupido, il est vitesse moyenne. Asterius, il est vitesse moyenne. Donc là, on a le meilleur héros rapide en trishot. 370 sur 3 cibles en rapide. C'est même au-delà de ce que fait Quenelle, qui est déjà là, parmi les meilleurs héros. Et on n'est pas loin de ce que fait Hurricane, alors que Hurricane en vitesse moyenne. Hurricane, c'est 410 sur 3. Là, on a 370 en rapide. Ça fait... Avec cette stat d'attaque, je pense que ça va faire très très mal. Hein. Il suffit qu'en face, il y ait une baisse de défense ou défense élémentaire. Ben, je pense que ça fait un... Je pense qu'il y a des two-shots qui sont quasiment possibles. Hein. Donc, il ne fait pas que ça, évidemment. La cible et les ennemis à proximité reçoivent... Là, c'est brûlure corrosive pour 4 tours. Donc, si jamais les ennemis résistent, ils vont se prendre un dot de feu. Hein. 153 de brûlure. Et en plus, il y a une baisse de défense de 16% à chaque tour. Mais lui, il est complètement pété. Hein. Franchement... Et la deuxième, c'est 390%. Sur la cible, les ennemis à proximité, s'ils sont encore vivants. Hein. Et là, on passe à 100. C'est pareil. Hein. Ouais, les dégâts de corrosif ne changent pas. Ils frappent juste plus fort. Donc là, il n'y a pas énormément de différence entre la première CS et la deuxième, si ce n'est les dégâts. Lui, il est énorme. Hein, vraiment. Aqualite, Paladin. Ah bah tiens, là, on a un 4 étoiles. Ah mais oui, ça je l'avais vu. Donc lui, clairement, s'il y a un héros qu'il faut aller chercher dans ce portail, c'est lui, et on va voir pourquoi. Ce héros-là va améliorer la vie de tous ceux qui l'auront. Et je pense que même en avoir plusieurs, ce ne sera pas du luxe. Bon, les stats sont très bonnes. Hein. On est sur un 4 étoiles, je suis assez étonné. Je pense que là, les stats sont très gonflées. À voir si ça sera modifié. Mais on a un héros qui a 828 de puissance. 850 d'attaque et 850 de défense pour un 4 étoiles et 1487 de points de vie. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que c'est, donc, la première CS est rapide hein, et il va avoir le provoquer en rapide. Pour l'instant, quel est le seul héros qui avait dû provoquer en rapide? C'était Forcis. On avait des provoqués moyens avec Krampus, Kara et des lents avec... Queen Anne, notamment le singe là, des Covenants, le héros jaune. Mais on n'avait pas, en plus de héros 4 étoiles qui vous a provoqué, ce sera le premier. Et il est rapide, hein. Donc c'est juste énorme. Rien que le provoquer, ça le rend exceptionnel. Là, je ne vois pas quel sera le LB2. Je n'ai pas ces informations-là. J'avais vérifié sur le forum, mais je ne les ai pas trouvées. Mais déjà, rien que le provoquer, c'est énorme. Donc, 3 tours, hein, ben, c'est déjà bien, faudrait pas que ce soit abusé. Et va faire entre 72 et 272 dommages à tous les ennemis après 3 tours, en fonction en fonction de la quantité de dommages qu'il a reçu quand cet effet est actif. Ben, c'est exactement comme j'ai plus le nom là, mais le singe là, héros jaune des Covenants. Pourtant, je l'ai sur mon petit compte, hein, mais je... Thunderclap. Voilà, c'est exactement comme Thunderclap, sauf que là, on est en vitesse rapide. Et Thunderclap, c'est beaucoup plus de dégâts. Mais là, Aqualite, en plus, il est paladin, c'est juste parfait. Quand on a un provoqué, il va résister. Donc là, Buissource, on peut lui dire adieu. Enfin, adieu. Non, parce que... Sauf si on a 6 Aqualites... pour la ruée, mais en tout cas, il sera bien plus
intéressant pour la ruée, pour tenir et avoir une garantie d'un provoqué s'il a le provoqué en pouvoir d'Alfighter. Mais ça, ce sera vérifié. Mais là, c'est exceptionnel. Et sur la deuxième CS, pas trop de changements là non plus. On a toujours le provoqué, mais les dommages augmentent. Là, ça passe le range de dommages de 157 à 442. Mais c'est un héros qui fait des dégâts aussi, hein, via son passif. Donc très très bon. On a Atlantéa, sorcière. J'aime beaucoup le design là aussi, très très beau. On dirait une espèce d'elfe aquatique. Ça, c'est très très joli. Là, il y a un vrai effort. L'attaque est exceptionnelle, hein, 990. La défense aussi, 982. Mais du coup, elle a moins de points de vie. Aphotic Mao. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Ah mince, j'ai pas le... Est-ce que c'est après? Voilà, j'ai le début là. Tous les ennemis reçoivent... Bon, là, on est encore sur du corrosif. Gel corrosif pour 4 tours. Qui fait 118 dommages de glace chaque tour. Et diminue l'attaque de la cible de 7%. Bah, c'est une cristallis améliorée. Un cristallis au placard, du coup. Le lanceur volte 26% du mana généré des ennemis pendant 4 tours. Mais c'est surpuissant. Bon, non seulement elle fait un dot de glace, puis elle va voler le mana tranquille. Cet effet ne peut pas être purifié, ben merci, mais il est enlevé si le lanceur décède. Ah mais elle, ça peut être un tank, hein, je pense. Hein. Sur une méta tank bleu, elle aurait tout à fait sa place. Et sur la deuxième, ok, donc là, ça a plus de dégâts corrosifs. Et elle vole le mana de la même façon. Bon. Là, on a que de l'exceptionnel quasiment. Hein, pour différentes raisons. Mais Persa, encore une autre solution pour contrer les Ludwig et Forces en tank. Mais aussi pour mettre du poison un petit peu sur tous les ennemis. Excellente. Gelstalt, lui, c'est celui qui m'inquiète le plus, entre guillemets, parce que. Ces cubes-là, c'est surpuissant et on est sur du rapide aussi. Enfin, donc, je dirais Persa, très bonne. Gestat, excellent, hein, clairement. Domi Ventus, excellent aussi, hein, parce que franchement, 370% en rapide, en 7 tuiles. Et en plus, il met des dommages de brûlure. Enfin, il baisse la défense. Enfin, lui, vraiment excellent. Aqualite, excellent, même exceptionnel. Unique, le seul provoqué en 4 étoiles. Et Atlantéa, très très bien. Voilà. Donc là, on a vraiment une série de nouveaux héros qui a coupé le souffle, en tout cas. Après, peut-être qu'ils vont être nerfs avant leur sortie, comme cela a été le cas pour Ultrox. Hein. Donc, à voir. Je pense que certains sont quand même trop forts, notamment le rouge là qui fait 370 sur 3 en rapide. Enfin voilà. Voilà les amis, j'espère que en tout cas ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker et commenter sur ce que vous pensez de ces héros du futur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.